Monster Kill. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Shadow Warrior 2. On ouvre la porte via... On enlève la magie via un pouvoir. Hey, I can get us there quickly or I can get us there alive. Quality mayhem takes time, you know? Il a raison. Il a entièrement raison. Il y avait un coffre caché ici. Merci. Il a entièrement raison. J'approuve son choix. Faudra qu'on voit pour des armes automatiques, chers amis. D'accord, c'est la porte de la maison, littéralement. Wow. Hideo, what's happening? Zilla's men were heavily armed, but we fought them off. Unfortunately, Master Smith was gravely wounded. No, no. Gravely? Ah, was Zilla's men? Go to him, quickly. He says it is important. I must go and guard the entrance. Stay alive, Hideo. That is the idea, sir. Il est bien. Hideo remonte dans mon lycée, mais à chaque fois qu'il parle, en fait, il gagne des points chez moi. C'est assez cool. Oh. Si j'avais su qu'il y avait ce genre de choses par ici. Tu me diras, c'est un passage obligé dans les jeux vidéo de passer par les égouts à un moment ou à un autre. Il y a des bestioles. Ah non, il y a des trucs de Zilla là. Il faudrait un snipe. You mess with the bull, you get the way. What the? Y'a des gens qui m'ont vu! Mais bon, heureusement, normalement, les machines aiment pas trop l'électricité. J'ai qu'à espérer qu'il n'y ait pas de maman dans le coin. Ah, elles aiment vraiment pas ça. Hein. Bah, elle est cool cette arme. Elle fait le café. Elle fait ce que je lui demande de faire. Et ça, c'est plutôt cool. Là. Wow, pas une compétence. Oh, airshot. Je suis le meilleur. Faites pas chier. Faites pas chier. Et on a des points de compétence à mettre, chers amis. On va regarder vite fait ce qu'on peut faire. Parce que là clairement, on est un dieu. Occultation, durée 25%. Bof. Maîtrise arcane. Ça pourrait être intéressant. J'ai suffisamment de points, on est d'accord. Incursion au niveau 4 et déflagration au niveau 3. Je vais mettre ça. Et on va le mettre, comme ça on va pouvoir empaler des gros ennemis et ça va être très... très rigolo à voir, on va dire. What the... G plus S. C'est qui ça? C'est quoi ce bordel? Comment peut y avoir des amoureux? C'est qui S? C'est pas Smith? Non, ça serait K et... Ouais, non, ça va. Ça aurait pu être pire, mais non. Mais tout va bien. Ok, bon les filles. À part votre mort que j'ai moi-même apportée sur... Non, c'est bon. Non, c'est bon. Ok. Non, je vérifie des fois que c'est, vous savez, derrière une toile d'araignée, mettre un passage et on voit que dalle. Oh. Ouais. Ouais, on y va. Allons-y. Hop. Où sommes-nous? Dac. Nous sommes de l'autre côté de la porte. Ok. Tiens donc. Il y a un passage ici, mais il y a la fontaine ici. Enfin, la fontaine, la cascade, pardon. Et dans un jeu vidéo, d'ailleurs, une cascade, il y a presque toujours rien du tout. D'accord, ok. Je me suis fait U. Cela dit... J'ai l'impression qu'il a grimpé vachement haut par rapport au saut que j'ai fait. C'est marrant, ça. Wow! Tellement de talent chez Smarcus. Apparemment, j'ai pas le droit de grimper plus haut. Tout simplement. Voilà, d'accord, ok.
Pourquoi pas. Ok. Allons-y. On grimpe par là. Ils m'ont demandé, est-ce qu'on grimpe par là? Donc on grimpe par là. La forge. Ok. Oh la vache, si. Hello? Kamiko. Anybody home? Oh. You okay? Oh, elle est plus là. Oh. It was like being stabbed by a thousand fiery knives. Oh shit. Je crois que c'est ce qui lui est arrivé. Was it the same stuff they shot you up with before? I think so. What's your body doing now? My body, I can't feel it. I can't feel it at all. Oh, this is bad. Bad. C'est pas bon. Captain Obvious. OK, oui, effectivement. Alors, qu'il soit là pour nous vendre des munitions, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Akimbo! Ubiquité céleste, détonateur, d'accord, OK. Et en termes d'armes, peut-être falloir que je parte sur un fusil d'assaut et ça m'embête de le faire et de le dire. 22 000 dans des munitions. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Ok, Simone, c'est parti. C'est toi qui conduis, c'est moi qui le klaxonne. Hideo! A toujours pas ouvert la zone, hein. Bon, j'ai passé par là histoire de m'assurer que tout va bien. Oula! Quand il y a tout le monde qui t'attend, tout va pas bien. Oh non! This could be a problem. Good to see you, both of you. Il te voit? Kamiko's body went and mutated and broke free. It was raging, incoherent. It came after me, but I couldn't bring myself to harm her. Wait, I killed him? Try not to move. I'll get help. The Yakuza must have some. I have tried. This wound is imbued with some sort of dark. Merde. I'm helpless to resist much longer. Le monde va perdre le seul fabricant de sabres noirs. I have reached the end. Aucun racisme, c'est une référence au jeu lui-même. No, Smith. He can't hear you. Then let me speak through you. I don't know. Listen, there is something we must do. The cure is complete. Fetch me the flask from the library. Alors, souvent dans un jeu vidéo, quand on te fait passer par un endroit, quand on t'emmène autre part et qu'on te fait revenir, il va se passer quelque chose. Donc, j'ai conscience qu'à l'heure actuelle, il va se passer quelque chose de pas drôle. Ah, là c'est ouvert. Et là, on peut monter. C'est ça la library? Wow! Wow! Le roi squelette! Wow! Mitrailleuse! Ah non, c'est pas le même endroit en fait. Je croyais qu'on allait revenir dans la librairie où là où il y avait toutes les armes, tous les machins, tous les trucs. Mitrailleuse! Ah puis c'est la seule dans le genre que j'ai à l'heure actuelle. Hein. Gardez à portée de main. Je crois que j'ai fait un truc qui était pas bien là. Je crois que j'ai fait des choses illégales dans le coin là. Vas-y, montre-moi la bête. Oh putain. Elle inspire au moment où. Waouh. Oh. Qu'est-ce que c'est? Oui, j'ai bien compris que. Petit pervers. Et mes droits d'auteur, je risque de me faire flaguer pour de la nudité! Nom de Dieu!
Oh. Merci. Merci la nudité qui m'a fait venir jusqu'ici. Un petit café ? Non, bon, pas de café alors. Hop, c'est parti. Remède pour Kamiko. Je sens que ce remède va pas être bon. Je dirais même qu'il va être très, très mauvais. Je sens qu'il va y avoir une réaction à la con. Et je sens que je vais pas l'apprécier. Hello, young ones. This is an auspicious moment. I have completed my final meditation. Let me talk to him. What do we need to do with the flask? Keep it safe until you can find a way to administer it to Kamiko's body. It will heal her. Then you will need a chi bender to reverse the soul binding ritual. I need to talk to him now! I'm a chi bender. You cannot perform it on yourself. Let me guess. I'll go blind? Your soul will discorporate and become a wisp adrift in the ether. I don't think you'd like it. Non, je vais pas aimer. You mean like? Will you let me talk? Okay, okay, Smith. Kamiko wants to speak with you. I'm not really sure how this is going to. Smith. Il faut qu'elle me pénètre. Oh, like that, I guess. Yes, child. You can't die. I'm afraid you are mistaken. You showed me that I was worth something, and that I could fight to become something more. I only saw what was already there. It is a rare occurrence when one person can truly help another. That is a gift you have given me. What will I do without you? What you would have done with me. Leave here. Become yourself. Save the world, most likely. Do not shrink from greatness, child. Breathe into it. Become it. You need not find your path. It has been beneath your feet all the time. Now, to the amulet. A spirit well. But wait. There is no more waiting for me. In this way, I can remain on your path a few moments longer. Oh non! Ils vont être deux dans moi! And I, you, my double pénétration! And for you, Lo Wang. Yeah? Look after my students, if you can. Easy on the dick jokes, okay? Non, pas deux dedans moi! Pas deux dedans moi, s'il vous plaît! C'est pas comme ça que ça marche, on est d'accord, hein? Shit. I hope I have the strength to go out like that when my time comes. You. You jerk! Me? What did I do? He wasted his last words on you! I prefer to think that he spent them on me. Make another dick joke! I will kill you! You can have my dick jokes when you pry them from my cold, dead Wang. I am never talking to you again! Ouais! Bon, on va arrêter avec la binouze. Ah non, c'était des trucs d'essai. On va arrêter avec les arcs. On va passer tout de suite à l'entraînement, les mecs. Regardez-moi quand même. Les sabres, c'est fini. On passe à la tronçonneuse. Voilà. Une par personne seulement. N'en prenez pas plus. Électrique. Pas besoin de la recharger. Toujours du carburant. Sans boule dedans. Voilà. Même si elle fait le bruit d'une mécanique. Enfin, d'une essence. Hein. Voilà. Regardez l'efficacité. Vous n'avez même pas à vous approcher. Vous faites juste un petit appui sur le bouton et vous touchez. Pas très efficace sur cet homme, j'en conviens. Mais vous êtes par tronçonneuse. Pas par balle, mais par tronçonneuse. Désolé. Aucun problème. Mais vous pouvez voir à la fameuse giclée de sang que c'est très efficace. Mais nous allons repartir. J'ai une tête de mort dans mon HUD. En bas à gauche, regardez. Et j'ai retenu une compétence, je l'ai vue tout à l'heure. Fureur des ombres. Vous transformez une machine à tuer inarrêtable. Je suis déjà une machine à tuer inarrêtable. Ça a l'air intéressant. Que la jauge du pluie à esprit est pleine, appuyée sur bas. Ça me semble pas mal. Durée de fureur des ombres plus 25% à la fin. La vache. Ok. Il est mort. Ah non, il est vivant.
Il fait mine ce sac. Arrête. Il fait mine d'être mort ce sac. Yo. Toujours pas des nouveautés à me proposer. Toutes les munitions, merci. Bon, bah c'est pas grave. Ah oui. Voilà pourquoi elles sont... Is that me? Either that or someone hit Big Fat's Prozac prescription. Oh, oh, Kamiko l'affreuse. D'accord, elle... ah oui, elle écarte les cuisses, si vous voyez ce que je veux dire. Immunisée contre les pouvoirs. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh, oh, fureur, fureur. Non, je ne parle pas d'un certain dirigeant allemand. Oh oui! Oh oui! Wow. Qu'est-ce qu'elle me fait avec ses pouvoirs? Wow. D'accord. Kamiko! Tu te calmes. Wow, fireball! Aïe! Kamiko! Oh putain, elle recommence avec ses murs. There's nothing like a fresh clip. Oui, je confirme. Wow! Non, tu te calmes. Bon, j'ai pas l'impression de lui faire énormément de dégâts, pourtant j'ai une super arme. Wow, ils ont grossi. That's why she said, elle a grossi. Bon, essayons un truc avec des munitions peut-être un peu. Ah bah. Ça t'est passé entre les jambes? Ah bah voilà. Celle-là tu l'as senti. Ah merde, j'allais dire kaboum mais. Bon. Fureur, 30 points. Encore. Qui? Je regarde si... Aïe. Merde, mais tu me pètes les couilles. Fureur des ombres. Ok. C'est parti. Ah. Mort à l'ennemi. What? Pas passer par dessus apparemment, mais vulnérabilité au feu. Ok, on a eu un. Waouh, putain, mais cesse de me pénétrer. Est-ce que tu m'as bien comprise? Résistance, mais il résiste à tout. Immunisé contre le feu. Oh putain, vous me faites royalement chier. Je suis occupé, j'ai rendez-vous avec Kamiko. Et merde. Prends moult dégâts. Où ils sont? Où vous êtes? Putain, mais je suis occupé! Qu'est-ce que tu comprends pas? Merde, j'ai loupé ce coup-là. Désolé. Aïe. Boum. Ça prendra. Apparemment il en reste encore. Boum. Voilà. Kamiko, reviens me voir. Reviens voir papa. Oh merde. Qu'est-ce qu'elle fout? Qu'est-ce qu'elle fout Kamiko là? Kamiko. Kamiko, tu te calmes. Je viens de me rendre compte qu'en fait je siphonne des PV quand je fais des dégâts. Ok. Merde, j'ai pas vu, j'ai vu l'onde au sol. Kamiko, arrête d'écarter tes cuisses devant tout le monde. Oui, parce que j'assume que tout le monde me regarde. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Refreshing.
Ah! Kamiko! Tu te calmes. Merde, à la fin. Hein? Kamiko! Merde, j'ai loupé. Ouais, c'est le désavantage d'avoir un truc qui tire pas souvent, la tour qui dit. Tu me pètes les couilles, Kamiko! Voilà! Merde, à la fin! Je crois que j'ai défoncé son corps, lit. Pas encore! Quoi? That's inconvenient. Booty shot. Idiot! You fucking get away! Easy with the insults, lady. Let's not forget who's driving this bus. Oh, believe me, I remember. Okay, so let's just. An idiot! Okay, let's go. Where? Anywhere but here. Luwang, it has been too long. Ooh. Hermiona, is that you? What you see is but a reflection. I am in my temple. Hey, oh. Listen, I'd love to catch up, but I kind of have the entire world on my ass right now. Can we, Come. Take refuge with us. We will succor you. Excuse me? Oh, la vache! It is the least I can do for my brother's dear companion. Actually, that sounds pretty good right about now. Look for me between my mountains. In the valley where the sun does not shine. Oh la vache! Farewell for now. Dude. What? Her. I knew she was an idiot from the papers, but that gave me full body douche chills. You don't have a body. Details. She's a freak. She was hitting on you. So we have a little. Ah, c'est pas qu'elle m'a dragué, elle m'a fait du rentre dedans là, c'est pas possible! She's offering us refuge. She's offering us a one-way ticket to Creeperville. Good thing you're not driving. Alors, pour ceux qui ne sont pas anglophones, je vais vous expliquer tout ce qu'elle a dit. Alors, à un moment, il faudrait que... j'ai autre chose à faire, nous ne pouvons pas, nous... ce qu'il a dit au début. Oh, c'est joli, ça. D'accord, orbe de Mazamune. D'accord. Nous ne pouvons pas... elle a dit « comme »,« venir ». Mais elle l'a dit d'une manière très particulière, elle a dit « comme ». Qui, dans le langage anglophone, veut dire « jouir », plus ou moins. Ça, par contre, le problème, c'est que ça, tout le monde le sait, maintenant. Pour ta moment de triomphe, pour ça qu'un temps de beauté, bien des dames doivent être foulées aux pieds. Hunter S. Thompson. Après, elle a dit qu'il fallait venir la voir entre ces deux montagnes. Ou encore, là où le soleil ne brille jamais. C'est-à-dire, souvent ça veut dire quand je vais mettre... quand j'ai pété un truc là où, le soleil ne brille jamais, ça veut dire qu'on va te mettre un truc profondément dans le fion, grosso modo. Grosso modo, donc, je répète le grosso modo, c'est pas grave, elle n'a parlé uniquement que d'avoir des rapports sexuels avec moi. Ce qui ne me dérange pas. Ce qui ne me dérange pas. Enfin, les cornes me dérangent. Mais, pour ce qui est du reste, ça va. Alors, on m'avait dit qu'il y avait une arme sur un boss ici. J'imagine que c'est le boss ici. Je vais faire une ellipse, chers amis, donc, je regarde parce qu'on est dans l'épisode. Je fais une petite ellipse de 2-3 minutes, et on se retrouvera pour la fin, potentiellement avec une nouvelle arme. On m'avait dit qu'il y avait une gêne sur une arme, sur un boss qui se passerait dans le hub. Donc je savais qu'à un moment, je pensais que ça allait être à la fin du jeu, mais finalement non. Qu'il allait y avoir un boss ici. On m'avait pas dit quoi, heureusement, hein. Si j'avais su que c'était Kamiko qui écarterait les cuisses. Il y aurait une arme disponible après un combat de boss ici. Donc je vais aller voir si c'est celui-là, sinon bah, je vais me spoiler tout seul. A tout de suite. Ok, alors j'ai rentré le nom du personnage, chers amis. Et je n'ai absolument rien trouvé. Donc, bah écoutez, soit c'est pas le bon boss, soit... soit elle a pas droppé l'arme, ce qui est possible aussi. Ouais, on y va. Soin. Non, on y va pas. Je pense, chers amis, qu'on va se laisser là... On y va. Je préfère être sûr d'avoir au moins le point de sauvegarde à l'arrivée de la zone. Et on verra après ensuite pour le reste. Donc voilà, bah écoutez, Kamiko, le corps de Kamiko s'est rebellé. Hein, elle est entrée en adolescence. D'ailleurs ça se voit, hein, sa tenue était pratiquement inexistante. Et elle passait son temps avec ses grandes gambettes à écarter les cuisses, la coquine. À côté de ça, on a une autre personne qui n'a pas arrêté de nous parler de choses un petit peu. D'accord, c'est le symbole d'un portail qui n'existe pas.
On va aller voir si c'est un dialogue direct. Bonjour. Oh, j'ai envie de fouiller. Well, I'll be if it isn't my old pal Fuckface. Amiona says you're to come inside. What, no metal detector? Guess you don't need those when you're immortal. You are on sacred ground. I would appreciate it if you could respect that. And I would appreciate it if you choked on a peanut. We all have different struggles. Come on, open up. Ah, c'était magique ça aussi. Oh, bonjour. Fouiller. Fouillons un petit peu, voyons si on a beaucoup d'endroits à fouiller justement. Par contre, elle fait du bruit mon petit clic. Wow! Ok. Salut Bouddha. Peste. Bref. Rien dans le coin. J'ai, comme qui dirait, l'impression que je vais me faire niquer de chaque côté. J'avais peur que ça n'allait pas dans les bonnes directions, si je puis dire. Ok. Wow. C'est marrant, pour un démon, l'endroit est... L'endroit est, enfin, certes sombre, mais pas... je veux dire, c'est pas... C'est pas une... C'est pas des ténèbres qui ne sont pas accueillantes, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas... Ouais c'est ça, c'est accueillant malgré tout. Tu me diras, vu comment qu'elle a l'air chaleureuse avec moi, si je puis dire... ça allait pas être... Oh. Bonjour, oh la vache, c'est tout petit hein. Par contre elle a... Enfin, d'accord. Bonjour. Bonjour, alors je voulais. En fait, je voulais m'approcher, j'essaie d'écouter. Je croyais que c'était elle qui faisait les. Non, il y a une espèce de vrombissement, vous tentez? Comme un cœur qui bat presque. Hello. Bonjour! C'est ce que vous cherchez? Lo Wang, it's been too long. Freak show. Hello. Let me guess. You've worn out your welcome with yet another employer. You know me, another day, another pink slip. Déjà à peine engagé, déjà licencié. What was it they used to say? Can't handle the wang? Yeah, something like that, yes. C'est encore pire. Well, here on the mountain, we can definitely handle the wang. Oh la vache! En gros, ils peuvent avoir le wang en main. You can stay here as long as you need to rest, recuperate, and plan your next move. Thank you. It's very much appreciated. There is actually one thing I think you can do for me. Name it. This is gonna sound weird. I very much doubt you can recognize me. Oh la 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 la. I have a young girl trapped inside my head. Oh, I'm so glad you said something. Are you actively transitioning? Have you told the important people in your life? No, no, it's not. Ah non, elle parlait de transsexualité, d'accord. Okay. These things can be hard to talk about. No, it's more of a magical situation. Oh, wonderful. I'm so happy you're at peace with it, darling. Oh, mais merde. No, I rescued a girl. She was mutated in one of Zilla's experiments. In order to save her, a chi master placed her soul in mine while he fixed her body. Oh, how fascinating. Not really. He was killed, and now she's stuck. I was wondering if you could put her soul back if we were able to locate her body. My darling. Oh. Sorry, darlings. Darlings. I would be delighted to help you. Transitions like these deserve to be marked with care. I'm touched you would ask me. Oh, wonderful. Who is this girl? Oh, she's the daughter of the Yakuza's big boss. I see. So you have taken something precious to them. Wait. Believe me, I'd give her back if I could. Get along? Oh no, no, she's really, really wonderful. Don't get me wrong. But yeah, I want her the fuck out of my head. Where is her body now? Yeah, so that's the thing. It sort of mutated into this giant monster beast thing and ran away. Hello, Wang. You do get yourself into the most marvelous scrapes. Everyone has ouais, a bah talent. Oui, t'as fait. Well, we are simple folk up here on the mountain and do not invite adventure. I won't be able to help you get the body back,
but if you can retrieve it and return it to its original form, I can sort out her soul for you. Voilà notre maître du ki. Oh, and if you find yourself with time on your hands, speak with Gozu. He has been getting overwhelmed with his duties and may need some help. Overwhelmed by duty? That sounds like Gozu. I'll check it out. Parfait, chers amis. Donc, bouclier élémental débloqué. Eager to get rid of me. Oh no, not at all. You should think about redecorating in there. Maybe get some curtains, spruce the place up a bit. You know, really make it your own. La forge de Maître Smith, mais Smith, il est mort. Ok, bon, bah, pourquoi pas. Bon. Et elle a une quéquette à me donner. On va prendre la quéquette. There is one thing I will need in order to perform the soul joining ritual. And that is ancestral chi. D'accord. I just pick some up from the Piggly Wiggly. Ancestral chi is coded to each individual person and carried in the spirit of their families. Cool. I need a close relative or a body part. Hey, no problem. I'll go hack off her grandmother's arm. Oh, grandmother. No, not enough power. It needs to be a parent or a sibling. She's an only child, and her mom's dead. Then you're looking for her father, I suppose. Je vais couper un bout de son père. Bring me something of his, and I may be able to help you. What, like one of his old playboys? Ah, a magazine would work. Clothing is better. A weapon is best. If you can manage it. Wonderful. We'll get right on. Je préférerais pas gâcher une arme. Fais tes prières, lance-roquette, harponneuse, fusil de gauche, bossera l'harponneuse. Hein. Déferlement élémental, réduit la résistance élémentale des ennemis. D'accord, je m'en occupe. Je pense qu'on va se laisser là, chers amis, en tout cas pour. No, but I do know who does. My dear darling Mima. Mamushi Heka. You know, you're not as stupid as they say. She's not going to tell us anything, you know. Oh, she'll never tell us anything. But she carries something of his wherever she goes. His wakizashi. Why does she have this? He gave it to her, to mark her as his favorite. It bears his chop, and as far as I can tell, she never parts with it. So she won't mind if we borrow it for a tick? I think she'd stab out your eyes if you looked at it too long. You know, some people probably find that off-putting, but I love how direct she is. Je le veux! Je le veux! Je le veux! Un instant, je vais voir sur internet. Me spoil pas. D'accord, récompense de quête. Ok, bon bah c'est toujours ça. Ok, bon c'est tout bon. Bah écoutez chers amis, du coup on va cesser là pour cet épisode qui s'éternise malheureusement. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures, salut les gens et yo.